pour faire le matin, j'ai besoin de râper les bananes vertes et bananes vertes, puis je mélange de la banane mûre. Et puis je mets du coco. Après, j'enveloppe avec ça. Et c'est quoi ça? C'est des feuilles de canne à sucre. Je mets de la marmite. Pour accompagner ce muata, Pauline présentera également un plat chaud à base de bananes vertes uniquement. Sauté de porc à la banane. Après avoir laissé mijoter le lardon de cochon sauvage pendant à peu près une heure, Pauline les coupe en petits morceaux. Pareil pour la banane verte. Une fois les deux ingrédients phares prêts et avant de les mettre dans la marmite, Un peu de lait de coco, hein. Je mets au fond de la marmite. Hein. Après ça, je mets l'ardon de cochon. Voilà, c'est bon. Je mets un peu de l'assaisonnement, des oignons verts, des ingrédients. Après les bananes. Après, je mets sur le feu. Après 10 minutes au feu de bois, voilà ce que ça donne. Un muata de bananes accompagné d'un sauté de lard de cochon sauvage avec deux crevettes de rivière bouillies pour la décoration ou la dégustation. À vous d'en juger.